Puis j'ai recommencé une école d'art, donc j'ai fait 5 ans, et puis après donc l'université. Et entre les deux, j'ai été agrégé d'art plastique, etc. Et j'ai pu donc, à partir de ça, ouvrir un département communication hypermédia à l'Université de Savoie. On est une petite équipe, mais qui s'occupons vraiment des technologies numériques. On travaille beaucoup avec Paris 8 et puis avec Transculture aussi. Et l'idée, c'est vraiment d'expérimenter en quoi finalement aujourd'hui on peut atteindre une espèce de conscience modifiée à partir des machines. C'est-à-dire que les machines ne sont pas juste là pour le plaisir de la technologie, mais comment elles ouvrent finalement d'autres portes à la conscience qui ne seraient pas directement lisibles par le corps s'il n'y fait pas attention. Le corps peut le faire, hein, le corps peut s'élever au-dessus de lui-même, etc. Mais souvent, il n'a pas conscience de tout ça. Et donc les machines l'aident quelque part à prendre cette conscience, hein, comme Christophe l'a dit, une forme de sensibilité qui n'est pas apparente directement par rapport à ce qu'on vit avec le corps aujourd'hui. Et les machines nous aident un peu à ça. Alors donc par rapport à l'œuvre Ayril, c'est une œuvre qui questionne le langage, hein, le langage sous toutes ses formes, mais aussi le langage textuel et comment ce langage textuel qui est une forme d'ordre, c'est-à-dire que vous parlez une langue. Et puis cette langue, eh bien, elle vous intime un ordre politique, social, économique, qu'il va falloir peut-être remettre en question parce que ce langage aussi imprime sur vos corps un système d'ordre. Et donc, à partir de ces formes de langage, on a créé des cartes, comme des cartes de jeu, qui manipulent différentes sortes de langages et qui ouvrent des mondes en VR. C'est-à-dire que vous allez pouvoir découvrir la forme allégée au centre de la marionnette. Sur un téléphone portable, on a ces cartes. Et puis chaque fois qu'on appuie sur ces cartes, on envoie la personne qui est dans la VR dans un autre monde. Alors pourquoi ce projet est important? Parce qu'en fait, sur ce métavers, il y a quatre groupes d'étudiants qui travaillaient de différentes nationalités. Et donc il y avait un groupe sociopolitique, un groupe socio-économique, un groupe éducatif et un groupe art et culture. Mais l'intérêt, c'est que ce métavers, il génère automatiquement des modules. C'est-à-dire que vous rentrez votre identifiant sur Métavers et il y a un module qui est créé à partir du groupe auquel vous appartenez. Mais l'idée, c'était que comment les groupes vont correspondre entre eux par rapport à cette question aujourd'hui d'un environnement social qui est partagé par différentes possibilités, on va dire, économiques, sociales et politiques. Et donc chaque groupe a réfléchi sur la manière de communiquer. Parce que, évidemment, chaque groupe pouvait aller aussi enlever des choses de chaque module, etc., etc. Et là, donc, par exemple, c'est le groupe Steel Island, qui était composé par une Taïwanaise et un Français, et qui a réfléchi sur l'idée socio-économique. Et donc, là, vous voyez un peu. Bah, je vais montrer. Aussi, la question de l'immersion, comme dans le travail de Christophe, nous permet de réfléchir sur des relations humaines aujourd'hui qui sont assez complexes. Et donc ce groupe a réfléchi dans la manière dont finalement peut-être par rapport aux catastrophes écologiques, un certain nombre d'éléments allaient disparaître ou de terres allaient disparaître. Et comme on était sur une île justement en Grèce, c'était assez intéressant. Et donc par rapport à ce que les autres groupes construisent, évidemment le niveau de l'eau montait à l'intérieur du métavers. Et envahissait petit à petit, recouvrait progressivement l'île. Et ce qui était intéressant, c'est que vous allez le voir un peu plus loin. Alors là, c'est par rapport, à, bien sûr, au tsunami qu'il y a eu en Thaïlande. Hein, c'est des images qui sont récupérées. Donc là, on voit l'île modélisée en 3D. Sur cette île modélisée en 3D, il y a un verre d'eau. Et pourquoi il y a un verre d'eau? Parce que si vous allez à Syros en Grèce, il y a deux robinets dans toutes les maisons. Il y a un robinet où il y a de l'eau mais qui n'est pas buvable. Il y a un tout petit robinet où vous avez le droit de retirer un tout petit peu d'eau qui peut être potable. Et donc l'eau potable sur cette île est vraiment très très importante. Et donc ce verre d'eau va inversement se vider par rapport à l'eau de la mer qui monte. Et donc, il y a comme une fleur, exactement comme pour l'histoire du petit prince, qui va se retrouver envahie par l'eau, etc., etc.
Mais ce qui était intéressant, c'est que plus les eaux construisent, plus le niveau de l'eau monte, plus les eaux déconstruisent, plus le niveau de l'eau baisse. Donc ça, c'est de la programmation, quoi. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas d'offrir des prouesses visuelles ou esthétiques par rapport à la technologie. C'est pas du tout l'idée. C'est comment, finalement, aujourd'hui, on va peut-être comprendre la manière dont on fonctionne ensemble avec des autres outils qui sont des outils technologiques. Mais c'est pas vous en mettre plein les yeux, etc., avec la 3D, tout ça, c'est aucune idée, aucune volonté de faire ça. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses très, très low-tech et qui ont aussi autant d'impact que ça. Nous, on a choisi avec Christophe de travailler avec la technologie parce que moi, c'est depuis très, très longtemps aussi que j'ai commencé à travailler avec ça. Mais en fait, c'est un choix. Il n'y a pas de chose meilleure qu'une autre. C'est l'idée que les choses se rencontrent et qu'on, à travers l'art et la culture, on commence à se poser des questions par rapport à la manière dont on vit. Et là, par contre, c'est très, très important pour la société. Parce que c'est comme ça qu'on va innover, en fait. C'est comme ça qu'on va innover nos relations sociales, économiques et politiques. Et on le voit avec des festivals comme City Sonic, etc., ou des festivals comme Lumen aussi. Comment on va impacter finalement la conscience avec des œuvres? Et ça, c'est vraiment important. Je vous raconte une petite histoire que j'ai racontée hier à Christophe. C'est qu'un jour, on avait l'occasion, dans notre colocation, de recevoir le descendant Comté. Vous savez, les crayons à papier Comté, là. Et il nous explique qu'en fait, son arrière-arrière-arrière-grand-père, qui est à l'origine de l'école des arts et métiers en France, Napoléon lui demande comment faire quelque chose qui écrive, parce qu'il y a le blocus autour de la France, etc. Et lui, qui est ingénieur déjà, enfin, qui est vraiment quelqu'un de rationnel, comme il est artiste aussi, il va mélanger au graphite, il va mélanger de l'argile, il va créer le crayon à papier. Mais parce qu'il est artiste, c'est pas parce qu'il est ingénieur, et tout le monde sait ce que c'est que le graphite, etc. Mais de mélanger à l'argile, c'est ça l'invention. C'est-à-dire mélanger une forme artistique avec quelque chose qui peut être hyper technologique ou même complètement économique, etc., va produire des changements à la société. C'est pour ça que là, puisque vous êtes pour la plupart dans une école d'art, vous devez comprendre le rôle que vous avez émergent par rapport à la société de demain. Voilà, peut-être que je vais m'arrêter là, non? Moi, je dirais justement de nouveau par rapport à mon expérience de spectatrice, notamment effectivement, je suis manipulée parce que je dois rentrer dans un monde, donc on me manipule. Puis on me manipule d'une certaine manière parce que je pense que l'expérience du corps est importante. Je me suis rendu compte que je faisais des mouvements pour aller un peu plus loin dans l'univers et voir ce qu'il y avait derrière moi. Donc voilà, en m'écartant de la table pour vraiment rentrer dans le monde. Mais par contre, je suis aussi spectatrice de, comme tu dis, d'une dramaturgie que j'appelle spectaculaire, notamment dans cette œuvre-là, parce que on me raconte une certaine histoire avec différentes disciplines d'image. Et voilà, donc il y a vraiment toutes sortes de plans qui entrent dans cette expérience. Mais pour moi, c'est aussi une belle expérience de spectateur. Voilà. Alors, on attend encore d'autres questions. D'autres commentaires, peut-être? Si ce n'est pas des questions.